Bon Dieu béni nous, grâce bon Dieu m'en couvre nous. Moi dis bon Dieu, merci parce que lui permet moi joindre l'autre chance encore pour capable présenter nous leçon dominicale 29 janvier. Pas oublier non pas mes frères Jean-Luc Sen et bien ou sous télé lumière de gloire, yon émission qui là pour bénir et transformer l'homme. Si c'est pour la première fois vous rencontrez avec canal YouTube ça, et bien moi va dire ou va continuer suivre nous, partager avec amis, famille et comme ça va permettre l'autre monde béni à travers canal YouTube ça qui c'est Télé Lumière de Gloire. Et puis moi veux saluer chaque ancien et nouveau abonné yo. On veut dire nous que grâce mon Dieu béni nous d'avoir rété la caisse Seigneur. Merci pour encouragement ou merci pour support que grâce mon Dieu capable bénir en abondance. Avant toute bagaille, nous pourrons prier pour nous capables de commencer. Seigneur, moi dis merci, merci pour grâce ou merci pour ça offert, ça continuer faire pour moi. Moi dis merci parce qu'on peut mettre que moi j'ai une opportunité encore pour nous capable offrir peuple ou roi. Et émission ça qui c'est le chant dominical 29 janvier hein? Et bien nous demandons cher Seigneur qui grâce ou capable conduire et vider sur tout le monde qui va et suivre le chant dominical ça et on va permettre que les siens réussissent dans la vie. Moi je prie au conseil au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Que bon Dieu bénisse. Grâce mon Dieu couvre nous pour tout temps. Nous parlons qui ça nous gagne dans les sons hein, pour la gloire de Dieu. Nous gagnons petite leçon hein, qui c'est Jésus lave pieds disciples yo. Waouh, c'est une belle petite leçon parce qu'il y a un bon monde aujourd'hui qui pas quoi dans lavement des pieds. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Répétez petite leçon hein, ensemble avec moi. Jésus lave pieds disciples yo. Très bien, moi connais aux îles bien et bon Dieu pas manquer pas bénir en abondance. En nous lecture leçon hein, qui ça li dit nous. Nous jeune lecture leçon hein, c'est dans Jean 13 verset 1er rivé dans verset 20. Est-ce que vous avez dit moi qui bon nous jeune lecture leçon hein? Très bien, bon travail. Moi connais ou dit bien et ou capable apprendre, ou capable mémoriser pour ça capable servir dans classe leçon dominicale dans assemblée qui vous persévère. En nous texte d'oa, qui côté nous vient texte d'oa et qui ça le dit? Nous vient texte d'oa c'est dans 1 Pierre 5 verset 5b. Répétez ensemble avec moi. 1 Pierre 5 verset 5b. Mais qui ça le dit? Bon Dieu prend position contre moun qui gen l'orgueil, mais moun qui soumet devant li bayou fave li. Est-ce que vous avez dit pour qu'on tourne ensemble avec moi? Amen. Très bien. Moi connais ou dit bien et bon Dieu pas manquer pas venir en abondance. Alléluia. Gloire à Dieu. Leçon gagné seulement 2 points. Il pas gagné 3 points, il gagne 2 points. En nous est premier point leçon qui ça dit nous. Premier point dit humilité Christ là. Est-ce qu'on a dit pour moi comment premier point de leçon on dit? Très bien. Nous gagnons deuxième point de leçon hein, qui c'est invitation pour nous imiter Christ là dans humilité li. Est-ce qu'on a répété deuxième point moi? Très bien, bravo, bravo, moi connais où
répéter ou bien et ou pratiquer ou pas prendre pour ça capable servir comme une niche de bénédiction. Eh bien, nous pral ouais introduction leçon qui ça le dit nous. Introduction dit jodi a n'a commencé étudier chapitre 13 là qui c'est premier dans 5 chapitres qui présente nous un ministère spécial que Jésus te menait bon côté disciple yo. Jésus te voulait montrer disciple yo Jean li remen yo en pile. Alléluia. Jean li gen humilité yon leçon ki disciple yo te apprendre et puis imiter nan façon yo te gen pour servir bon Dieu. En suivre. Donc moi voulais nous capter ça bien. Parce que ça est extrêmement important. Introduction, il y a pile bagaille dans yo qui moins besoin apprendre ou besoin apprendre capitule nous etc. en pile pour la gloire de Dieu. En nous un premier point de son qu'on y a qui ça lui dit nous. Pas oublier premier point était dit humilité Christ là. Jésus te vienne sous terre pour bailler la ville pour les hommes et puis pour le retourner aller joindre papa. Ça pas qu'arriver avant l'est pour l'arrivée. L'est est arrivé dans occasion faite pas nous joindre dans chapitre 13 là. Jésus était réuni avec apôtre Léo dans une chambre en l'est. Bien relé ça chambre haute. Dans Jérusalem pour manger souper à Kio. OK? Dans l'époque là, c'est esclave qui était placé pour ta laver pied moun qui s'est invité dans une fête. Attendez ça bien, souligner le très important. Jésus lui-même t'a choisi accompli tâche ça envers disciples. Qui Jean ça t'a fait, qui ça Jésus t'a voulu enseigner disciples à action ça. Ouais. Esclavio, ça veut dire c'est eux-mêmes qui t'es doué laver pied moun qui t'es invité dans fête là. Mais Jésus tellement veut montrer nous une humilité, il prend place esclave là, il lave pied disciple pour montrer nous pas gagne un qui pire ou pas l'autre. Alléluia. Ou pas ta remet agit tant que Jésus frère, cap coûter leçon dominicale ça. Seum, ou pas ta remet agit tant que Jésus. À nous apprendre humilier nous bon Dieu qu'à lever nous la Bible dit mon qui descend bien bas bon Dieu a monté bien haut mais mon qui monte bien haut bon Dieu a descendu bien bas. Alléluia, gloire à Dieu. À nous continuer. Jésus t'a levé bon table côté le téchita pour manger hein li wote go rat li a li prend une serviette li marer dans rein li vide de l'eau dans une cuvette et puis li commencer laver pied disciple. Li tap siye yo ak serviette li te maré nan rein la. En pile théologien croit que Jésus te vle enseigner disciple yo yon leçon imilité. Len konnen ki jan disciple yo te fek sou diskite sou ki les nan yo ki pi grand nèg. Leçon ça était nécessaire. Même Jean-Jésus qui te met là, te descend dans pied disciple pour laver pied yo, pour servir yo. Comme ça tout, disciple doit apprendre humilier yo pour servir yon l'autre. Yo te doit mettre toute l'orgueil sous côté. Je dis à si on ne pas mettre l'orgueil sous côté, on va rejeter loin. Mon cher, la difficile voilà. C'est bon, on va même dire mettre sous côté même. Pas dire voyer ça jeter loin loin. Dans fond la mer côté monde pas passer côté pas venir encore. Et c'est ça qui a aidé nous. Parce avec orgueil, on monde pas aller dans ciel. Yon leçon purification, petit a, nous jeune petit a c'est yon leçon humilité, petit b a c'est yon leçon purification. Disciple te doit connaître que tout bon Jean communion avec Christ, ça m'a dit pour purifier, sanctifier parole Christio, te purifier. Mais sans Jésus qui t'a pas coulé, sous quoi ta fin purifier disciple n'est d'aller.
Dans 1 Jean 1, verset 7, apôtre là écrit, sans Jésus a purifié, nous en bas tout péché nous. Pas de communion à Christ pour monde qui pas purifié, lavé dans sans Christ là. C'est ça, Seigneur, te vle enseigner, Pierre, l'eldil, si m'pas lavé pi ou pas disciple encore. Alléluia. Ça pas gen rien pour wè ak baptême de l'eau. Mais li vle di, tout bon relation à Christ possible. Seulement pour moun qui gen péché yo lavé dans sang sauvé a qui découlé sous quoi. Moun sa joine pardon nan men bon Dieu qui dit moins pas jam songer ni péché yo ni sa ou fait qui mal selon Hébreux 10 verset 17. Alléluia, gloire à Dieu. Pierre qui pas vle Jésus lave piel pita ta pral mandé Jésus pour laver non seulement piel mais tout mais à tout cœur li à cause consécration yon tel refi ta gagné. Attitude Pierre doit apprendre nous comme chrétiens pour ne pas questionner volonté à travail bon Dieu et puis pour ne pas essayer changer yo parce que bon Dieu connaît ça la faire. Pierre pas connaît sans travail Christ là. Jésus te connaît ça. Li répond Pierre, les yon moun fin baigné tout col propre, c'est pied là c'est qui besoin laver. Nous-mêmes nous tout propre mais c'est pas nous tout qui propre. Langage ça a un rapport avec Jida qui t'a pral trahi Jésus. Langage là t'a montré tout que Jida pas vraiment converti. C'est pour être sincère, honnête dans marche nous avec Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, faut que nous sincères. Faut que nous honnêtes. N'a ka rien à faire avec Jésus. Sous terre, n'a ka rien chrétienne pendant n'a servi mon Dieu. Faut que nous honnêtes, faut que nous sincères, faut que nous fidèles parce que sincérité pas gain prix et li vaut en pile bagage. Gloire à Dieu. En nous deuxième point leçon qui ça te dit nous. Deuxième point qui te dit nous invitation pour nous imiter Christ là dans humilité. Après Jésus te fin lavé pied disciple, li te allé reprendre place li bon table là et puis li commencé questionner disciple sur sa yo ta comprendre des actions li. Li te mandé yo est-ce que nous comprendre ça me saute fait là? Nous relèm maître, nous relèm seigneur, nous gen raison c'est ça mi vrai. Si moi-même qui seigneur, moi-même qui maître, moi lave pied nous, comme ça tout nous-mêmes, c'est pour nous yon lave pied l'autre. Moi ban nous yon exemple pour nous ka fè même bagaille moi te fè pour nous. En réalité, Jésus te vle bay disciple yo yon leçon spirituelle. Dans la vie pied yo li te rend yo yon service qui mandé en pile humilité. Les nous considérer li se maître li se seigneur li te mette le li te mette l'orgueil qui li te mette l'orgueil que li se mettre ak seigneur sous côté pour li te lave pied yo. Tendez ça bien avec sa disciple te doit apprendre disciple te doit apprendre pas quitter l'orgueil prend tête yo pour yo capable servir l'autre yo pour aider l'autre yo nan besoin yo. C'est Seigneur même qui te dit moun ki pi grand nèg nan mitan nouan c'est moun k'ap servi nouan. Est-ce qu'on ap servi moun? Est-ce qu'on ba tête discipline pour servir et aider l'autre moun? Selon Matthieu 13 verset 11. Apôtre Paul parlait nan même sens là, il dit c'est pour nous yon gen pour l'autre même sentiment qui était dans Jésus-Christ là. Selon Philippiens 2 verset 5. Et spirituellement, action Christ là était un exemple, un modèle. Gen chrétien tout qui cependant ouais les communions, commandement, yo pratiquer lavement pied à temps en temps dans un sens humilité tout. Nous croyons, alléluia que humilité y a ta doué surtout en dans nous que li te
fait dehors. Nous devons veiller en pile pour pas yon apparence. Alléluia. Ou kon sa ou di la li très fort. Ou kon ap suiv kek pa fwa nan nan lavman de pye, gen moun la chwazi ki moun pou la lave pye li, ou bien ki ta pas son devwa avec ki moun pou la lave pye li, sa pa normal. Se sa ki apparence la. Ou bien moun nan li ap lave pye la avec yon moun, kel pa senti ki te ale javel, et lèl fini ba kola de la se vre, apparemment, men au profond dan ke, pa gen yon baray se li vre. Se sa, auteur lan vle explike nou pou nou evite. D'accord? Alléluia, gloire à Dieu. Verset 16 là apparaît tant qu'on mise en garde. Si vous pas doué, pensez vous plus passer Jésus qui met là. Au point nous ta mesiré, gros principe humilité a faveur bon Dieu, bénédiction li va sur tout monde qui pratique humilité a. Tant que ça fait pour tout le monde qui obéit bon Dieu dans sa limande, selon Luc 11, verset 28. Quatre vérités en rapport avec les disciples, selon verset 18, rivé dans verset 20. Particularité faveur bon Dieu en rapport avec les disciples cruciaux. C'est ça que fait Jésus dit, l'aime dit ça, moi pas parler pour nous toutes. Moi connais moun moi choisi. Numéro 2, Jésus te montre disciple que yon nan mitan yo va trahir Jean Bible te déjà annoncé ça d'après Somme 41 verset 9 là. Konsa moun sa pa va jwi fave bon Dieu n'a parlé a. 3, avec trahison Jida, le disciple te doit reconnaître bi plus toujours que ce bon Dieu qui t'a voyé Jésus, tout bon vrai, parce qu'il t'a annoncé, yo, ça, selon Jean 13, verset 19, Jean 14, verset 29. Numéro 4. Moun qui recevoit un disciple Christ, moun sa recevoir Christ, nan même temps, li recevoir bon Dieu, papa, à tout. Dernier parole, encouragement, ça, t'es nécessaire pour qu'un disciple yo attaché dans Christ, après choc trahison Jida ta va causer dans l'esprit yo. Vérité ça valable pour nous chrétiens dans temps jodia, moun ki repousser nous li repousser Christ là, mais moun ki recevoir nous li recevoir Christ là et puis li recevoir papa à tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi quoi ou gen pile bagay là pour capable apprendre dans le son ça qui vraiment extrêmement important. En nous conclusion qui ça dit non. Jean-Baptiste te dit disciples yo concernant Jésus. Li fait pour les vignes plus grand pour moi même moins vigne plus petit toujours. Selon Jean 3 verset 30. Parole ça témoigner gros humilité qui te marqué la vie pour faire bon Dieu. Mené yon la vie im qui veut dire nan humilité ak soumission devant bon Dieu. Ça indispensable pour tout monde qui veut servir bon Dieu, nous pas capable servir bon Dieu si l'orgueil ak prétention rempli que nous. En plus, nous besoin yon la vie purifiée, bien lavée nan prophète bon Dieu. Si tout nan Christ là qui t'est coulé, si tout sans Christ là qui t'est coulé, sous quoi? C'est pour attitude humilité Christ là caractériser la vie pas nous sinon c'est même dans famille bon Dieu tout bon vrai. Moi quoi conseil ça à petit en pile et ça a aidé pour capable vivre une vie qui tout près bon Dieu et pour capable faire bon Dieu plaisir. En nous question yo bien des voix yo qui ça yo dit nous. Nous avons un petit problème dans la question, dans le sens, il a commencé dans numéro 3, il va commencer 1, 2, mais il a commencé 3, 4, 5. Donc, souvent, il me dit numéro 3 pour pas avoir un problème parce qu'il va dire 1, 2, d'accord? Et troisième question, qui passait pour première, il dit, qui est-ce qui déplace nous, lave-pied, invité yo dans yon fête? Réponse c'est dans l'époque là c'est esclave qui déplacé pour laver pied moun qui s'est invité dans une fête. Ça veut dire
monde qui était placé pour laver pied monde en fait yo c'était esclave. Quatrième question. Qui première leçon Jésus te vle bay disciple yo les laver pied yo? OK. Yon leçon humilité. OK, ça c'est première leçon. Yon leçon humilité. Cinquième question, qui deuxième leçon Jésus te vle bay disciple nan action sa? Yon leçon purification. OK? Réponse c'est yon leçon purification. Sixième question, il dit compléter. Toute bonne relation à Christ possible seulement les péchés yo lavé nan. Et puis continue, il dit sauver à qui t'écouler sous quoi. Dans petit point c'est sang qui parle, dans sang sauver. OK, dans sang sauver. Septième question c'est qui sa attitude Pierre a doué apprendre nous comme chrétien. Qui sa attitude Pierre doit apprendre nous comme chrétien? Septième question. Attitude Pierre doit apprendre nous comme chrétien pour ne pas questionner volonté à travail bon Dieu et puis pour ne pas essayer changer parce que bon Dieu connaît ça l'a fait. Gloire à Dieu. Huitième question. Vrai ou faux? Dans la vie Pierre Jésus te voulait enseigner disciples pour yon servir l'autre. Et de l'autre, yo nan besoin yo. Réponse là, c'est vrai. Numéro 9. Qui sa bon Dieu te promet moun ki pratique humilité a d'après verset 17 là? Que? Eh bien, réponse là, c'est bénédiction. C'est promesse là, ça. Bénédiction. Dixième question. Qui sa ki rive pour yon moun ki recevoir yon disciple Christ? Moun ki recevoir yon disciple Christ, moun sa recevoir Christ, nan même temps, li recevoir bon Dieu papa à tout. Ça c'est réponse là ça. Onzième question. Bay parole prophète Jean-Baptiste qui te montre humilité li. Réponse là c'est li fait pour li vinn plus grand pour moi-même, moi vinn plus petit toujours. C'est réponse là ça. Et puis, douzième question, qui c'est dernière question, elle dit, réciter texte d'Ora. Moi, quoi? Question ça, ou qu'a fait, parce que, ou qu'on texte d'Ora déjà, eh bien, on va faire ça pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, que grâce mon Dieu couvre nous en abondance. Merci parce que vous pouvez suivre la vidéo ça. Merci parce que vous pouvez partager avec les amis, famille ou avec tout le monde qui est dans le champ dominical, dans le groupe ou bien dans l'assemblée pour vous persévérer. Nous croyons bon Dieu, papa, qui pas béni en abondance. Pas oublier, c'est des frères Jean-Lixen ou sauter les lumières de gloire. Que grâce mon Dieu bénisse. Soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth.